Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu aujourd'hui, on fait une vidéo tranquille puisqu'il ne faut pas quand même abuser des danses, quand même de faire des danses, quand même c'est bien de danser, d'être savouré, d'être content, c'est bien d'être content, d'être heureux, de vivre, etc. Et tout. Il faut quand même dire que quand même là, c'était une équipe, dans cette débrief, c'était une équipe qui était un peu moyen quand même, il faut dire la vérité, c'était un moyen, mais il faut quand même savourer, même si c'est moyen ou quoi, il faut savourer, c'est moyen ou pas, il faut le dire quand même, puisque... Quand même, ils ont voulu faire les malins à être motivés et marquer un but. C'était bien, non mais c'est bien. Mais le problème, c'est pas ça. Dans le football, c'est pas ça. Le problème, c'est quand tu marques un but, il faut assumer. Si tu n'assumes pas, eh ben, tu peux rien faire. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe que a rencontré le Cameroun aujourd'hui, en fait, c'est le problème, c'est qu'il marque un but, il ne sait pas assumer un but. Parce que quand tu marques, il faut assumer, c'est tout. Il faut tenir, il faut avoir la défense pour tenir, il faut... tenir jusqu'au bout, il faut être à fond jusqu'au bout. Parce qu'avec une équipe comme le Cameroun, si c'est une équipe qui est moyen, et ben nous on les rend dedans. Déjà qu'on a pris un but dans les premières minutes, c'est sûr que là, ça n'allait pas s'arrêter là quand même, ça n'allait pas s'arrêter là. Avec des joueurs, des tueurs, on a des joueurs sur les côtés, c'est des tueurs. Au Cameroun, c'est comme ça qu'on les appelle, les tueurs. Quand ils jouent au foot, c'est tuer, couper les jambes et tout. Je vous dis l'expérience, parce que j'ai déjà joué là-bas. J'ai déjà joué là-bas au Cameroun, j'ai déjà joué au foot. Ah, j'ai vu comment ça joue là-bas au foot et c'est pas du foot. C'est on coupe les jambes, là-bas on est dur. Il faut avoir le corps solide. Non mais c'est incroyable, je vous dis la vérité. Hein. C'est pas du blabla ou quoi, mais j'ai été au Cameroun. J'ai joué au foot, juste au foot, j'ai vu que ça m'a dépassé. Moi-même j'ai dit j'ai pas envie de revenir en France avec plus de jambes ou avec des bosses de partout les jambes. Ils coupent les jambes, ils sont costauds. Eux ils blaguent pas, eux le foot c'est même pas du foot. C'est de la boxe. C'est joue, il donne des coups dans les pieds et tout. Oh là là, tu souffres. Donc voilà. Là, on avait deux équipes. Une équipe qui était solide, que même s'il prend un but, ils sont solides, ils sont capables de gagner le match, ce qu'ils l'ont fait hein, le Cameroun. Et une équipe qui était moyenne, qui regardait, on voyait qu'ils avaient peur. Ils ont marqué, ils étaient chauds, mais après, ils ont commencé à regarder le Cameroun. Mais si tu les regardes, et ils chicotent. Là, c'est tout ce qui s'est passé, c'est que là, le Cameroun a mal commencé avec une mauvaise défense qui a fait une connerie. Après, on s'est rattrapé, le Cameroun s'est rattrapé, et puis le résultat des courses, 4-0. Moi, j'ai pas besoin de regarder le classement ou montrer le classement, ça sert à rien, ça sert à rien. Le Cameroun est premier avec 6 points, ça sert à rien. Je vous montre pas le classement, ça sert à rien dans cette vidéo, je montre rien du tout. Quand on sortira des poules, quand le Cameroun va sortir des poules, là, ça va être sérieux. Parce que là, après, à part le dernier match contre le Cap Vert, qui sera un peu, on va dire, un peu au niveau du Cameroun, les autres matchs, c'était des équipes qui savent tenir, mais qui ne savent pas tenir jusqu'au bout. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Et quand tu as le Cameroun, quand tu as des tueurs comme Toko et Kombi, quand tu as des Aboubakar gay, des Aboubakar qui... Non, mais Aboubakar, c'est un tueur. Lui, il termine les matchs. Il a fait son doublé. Toko et Kombi aussi a marqué. Bon. J'ai même pas besoin de vous parler les noms des buteurs, ceux qui ont vu le match, vous avez vu, vous regardez sur YouTube, regardez le match, je ne montre rien du tout. Là, c'était un match tranquille, j'ai pas besoin de montrer le championnat, le classement, etc. Tout ce que j'ai à dire dans cette débrief, c'est que le Cameroun, ça fait la deuxième fois qu'il commence comme ça. Ils attendent qu'on prend un but, on se fait prendre un coup, c'est comme à la boxe, hein, tu te prends un coup, tu te réveilles, allez, c'est bon, tu fais tout péter. Ben non, ils ont attendu qu'ils ont pris un but. Et après, ça, ils se sont réveillés, ils ont tout fait péter, ils ont dit « Comment ça, vous marquez ?» Bah, ils se sont réveillés et c'est la rage, c'est le lion qui s'est réveillé, le lion camerounais s'est réveillé. Donc voilà, dans ce débrief, moi je vous dis, moi j'ai, sur la qualification, j'ai pas de souci à ça, je sais que le Cameroun va se qualifier. Donc, vous voyez bien que, regardez le championnat, vous voyez bien si vous suivez la Coupe d'Afrique par vous-même que, ils ont pas de niveau, ils ont pas de niveau, c'est tout, à part le Cap Vert. On va dire le Cap Vert, ils ont un peu de niveau. Franchement, ça va être le dernier match sera un peu plus compliqué. Je pense pas qu'il y aura un petit match de 4-0, 3-5-0. Je pense pas, parce que le Cap Vert, ça sera peut-être un match nul, peut-être, ou une petite victoire du Cameroun 1 ou 2-0. Je vois plutôt ça comme ça. Mais là, je vois quand même que là, les autres équipes, ils n'ont pas le niveau. Je vois pas. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Ils n'ont pas le niveau. Je n'ai pas à dire que. Après, il faut pas que je m'enflamme trop, parce que là, je suis content, parce que c'est la qualification. Et c'est la Coupe d'Afrique. Mais après, il y a les autres équipes. Ils ne sont pas encore réveillés. Hein. Je ne vois pas encore le Sénégal. C'est pas encore réveillé. Bon, ils ont marqué un but. Ils ont gagné un match vite fait comme ça. L'Algérie, ils dorment.
Il y en a qui disent que c'est les entraîneurs, l'entraîneur à durée n'est pas bon, etc. Ou si ça sera mieux l'autre entraîneur qui a fait la Coupe arabe, si c'était lui qui a entraîné la durée. Il y en a qui disent que c'était mieux lui, etc. Et tout. Enfin bref. En tout cas, tout ce que je vois, c'est que la durée pour le moment n'est pas rebellée. On va voir le prochain match de la durée. S'ils vont se qualifier, il fera face à la. Je crois que c'est la. Enfin, je sais même plus, je n'ai pas regardé le classement. La Guinée équatoriale ou je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, la durée qui sont beaucoup attendus, mais je veux dire quand même que le Cameroun, ils sont beaucoup attendus. Vous les avez vus, hein, ceux qui suivent la Coupe d'Afrique, vous avez vu, hein, vous avez vu vous-même le jeu. Bon, il y a des conneries quand même. Onana, il fait un peu de n'importe quoi de fois dans la dernière minute, dans les dernières minutes. Il tire sur le. Il dégage n'importe comment. Bon, il a fait des erreurs. Moi, je veux dire la vérité, le Cameroun, c'est pas tout parfait. Hein. C'est puisque là, on avait, on va dire rien en face pour moi. Après, on va voir quand on va jouer contre les grosses équipes comme le Sénégal ou l'Algérie ou le Nigeria qui est très en forme en ce moment. Le Nigeria, c'est une équipe très, très dangereuse en ce moment. On va voir ce qui va se passer. De toute façon, on va passer par là puisque si le Cameroun est qualifié, ils vont passer par la case Nigeria ou Algérie ou Tunisie. Enfin bref, tout ce que je sais, c'est que dans les grosses équipes, tous ceux qui, les équipes qui sont le plus impressionnants, on va dire c'est le Nigeria déjà qui sont impressionnants parce qu'ils y vont, ils ont la rage. L'Algérie, je pense qu'ils se cherchent un peu. La Tunisie, ils sont limite, ils sont pas encore bien au top, ils sont pas encore prêts. Après le Maroc, on va dire que le Maroc est quand même une équipe de qualité. Mais bon, je pense que le Maroc, il manque un peu de travail. Mais après, on verra, dès que tout le monde est qualifié, on verra qui est qui. Parce que là, c'est facile de juger, dire ah, telle équipe est deuxième, telle équipe est troisième, etc. Il faut après voir dès que les équipes sont qualifiées pour voir effectivement qu'est-ce qui va se passer. Mais dans cette Coupe d'Afrique, moi je dis juste que, comme vous avez vu, le Cameroun, ils sont présents. On est au Cameroun. On fait la Coupe d'Afrique au Cameroun. Donc, il faut jouer à fond. C'est ça, c'est normal. C'est comme toi, t'es chez toi. Quelqu'un est invité, vient chez toi. Il faut que tu montres que tu connais chez toi. T'es chez toi. Tu fais ce que tu veux, t'es chez toi. Et bien, c'est pareil. Le Cameroun, ils sont chez eux. Donc, déjà, ils ont galéré à faire les stades quand même. Il y a eu des morts dans les stades. Franchement, c'est. J'ai vraiment un hommage à tous ces gens qui ont fait les stades. Il y a des gens qui sont morts en faisant les stades. Qui sont tombés des grues, etc. Et tout. Il y a eu des morts. Hein. Certes, c'est vrai. Moi, je suis au courant, j'ai entendu parler. Il y a eu beaucoup des morts dans certains stades. Donc voilà, le Cameroun leur doit ça quand même, gagner les matchs et c'est même la qualification et même gagner cette Coupe d'Afrique puisque là c'est très important. Puisque quand même je vais vous dire que la Coupe d'Afrique c'est bien beau de la gagner, mais il faut la gagner, ça c'est obligatoire, tu la gagnes pas. Après la Coupe du Monde ça va être pas pareil. La Coupe du Monde, le Cameroun serait qualifié vers la Coupe du Monde. Et je ne vais pas vous dire que la Coupe du Monde, le Cameroun va la gagner. Le Cameroun ne va pas gagner la Coupe du Monde. Moi, je crois vraiment à 0%. Là, je peux penser. Si tu mets Pays-Bas contre le Cameroun, la France avec les Mbappé, tout ça, là, laisse tomber. On va se faire éliminer. Donc, c'est ici, en Afrique, c'est là qu'on doit, mettre toute la puissance. Et qu'on doit donner tout. Puisque là, c'est au Cameroun. Donc, il faut tout donner pour que, éventuellement, la Coupe d'Afrique reste au Cameroun. Parce que là, c'est très important. Parce que c'est pour ça que vous voyez là, je danse, je suis content et tout. Mais bon, là, quand même, ça, c'est comme si on jouait contre des plots pour moi. Pour moi, excusez-moi du terme, mais là, je vois qu'on a joué contre des plots. Si on met 4 à 1, je vois qu'il y a des plots, ils bougent pas. Hein. Bah, ils ont bougé un peu, mais après, ils bougent plus les plots. Donc voilà, c'est fait. Bon, voilà, on est qualifié. Il y a le dernier match contre le 4-20. Peut-être pour un match nul, mais si on perd, on va dire qu'on sera toujours mathématiquement promis normalement. Si on fait un match nul, c'est bon, mais je pense que si on perd, limite, on restera premier. À moins que le 4-20 ait gagné tous ses matchs, eh ben, on verra, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais bon, moi, je suis content. Je n'ai pas trop parlé, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis content. Là, aujourd'hui, je n'ai pas fait ma petite danse, parce que bon, voilà, quand même c'est une équipe, c'est des plots. Hein. L'autre, il y en a, il a fait une coupe de cheveux. Et je voulais parler de cette coupe de cheveux, je n'ai rien compris. Je sais pas, peut-être qu'il a voulu faire une couleur blonde, je sais pas, c'est quoi. Vous allez me dire, je me moque d'eux, mais bon, voilà quoi. Moi, je vois que les joueurs, ils étaient un peu bizarres. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, le Cameroun, Clinton Enger a joué. Bon, certes, il n'est pas très bon en ce moment, puisque voilà, il joue à Lokomotiv Moscou. Le championnat, c'est pas pareil en Russie qu'en Europe. Il y a moins de matchs, etc. Donc voilà, il faut dire qu'il a un peu baissé le niveau. Je pense que pour Clinton Enger, il faudrait qu'il revienne en Europe, c'est-à-dire même que ça soit dans le championnat de France,
dans une équipe de France, on va dire, telle comme Monaco, ou je sais pas. Si Lyon même peut le récupérer, mais bon. Lyon, ils n'aiment pas trop Clinton Anji, apparemment, ce que j'ai compris. Mais bon, on va voir ce qui va se passer du côté de Clinton Anji si un jour il revient en Europe. Parce que là, il a un manque de jeu, il était plus fort avant. Et là, je ne l'ai pas vu jouer. Bon, après, il joue moins, mais bon, voilà. Ça explique tout. Mais Boubacar Gueye, Aboubacar, lui, il n'y a rien à le reprocher. Et à Toko Ekambi, rien à reprocher. Et les autres, il y en a qui étaient des tueurs sur les côtés, là, des défenseurs. Il y a eu des erreurs, il y a des choses à améliorer, mais bon, il faut dire que quand même, il faut être content. Moi, je suis content aujourd'hui, je n'ai pas fait ma danse, comme vous avez vu. Ça va, là, ça va, je suis content. Maintenant, j'attends que vite les phases de poule se finissent pour qu'on puisse voir contre qui on va jouer et où est-ce qu'on va aller. Si on va en finale ou pas, parce que là je parle, mais donc voilà. Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Parce que moi, là je suis content, mais bon, voilà. Comme vous avez vu, j'ai fait la fin de les hymnes nationales du Cameroun, évidemment. C'est rare que je fais ça. Mais bon, je l'ai fait un petit morceau comme ça, parce que voilà, j'ai vu qu'ils étaient en train de le faire. J'ai dit tous les. Et il y a des Camerounais qui m'ont dit pourquoi tu fais pas une vidéo avec la nationale, la musique de la nationale du Cameroun. J'ai dit bon, ok, je vais faire ça. Je discute pas. On me demande quelque chose, je le fais, c'est tout. Bon, alors on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je suis content. Ça va, ça va. Un mois tranquille, qualification. Il vaut mieux qu'on la gagne, puisque la Coupe du Monde, on pourrait peut-être pas sortir des poules. Allez, salut les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Moi ça va, je suis content, tranquille.